لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغزاليف bienvenue sur ma chaîne mon prof à distance dans cette première partie de notre leçon l'ensemble n notion d'arithmétique on va voir les nombres pairs et impairs Les opérations sur les nombres pairs et impairs. Mais avant de commencer cette première partie, je signale que notre leçon est partagée en six parties. La première, c'est celle que vous voyez maintenant. La deuxième partie, c'est les multiples d'un nombre entier naturel opérations sur les multiples. Dans la troisième partie on va voir les multiples communs de deux entiers naturels, le plus petit multiple commun de deux entiers naturels. la quatrième partie on va voir les diviseurs d'un nombre entier naturel et les opérations sur les diviseurs. La cinquième partie on va voir les diviseurs communs de deux entiers naturels, le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels. Et dans la sixième partie, on va voir les nombres premiers, décomposition d'un nombre non premier en produit de facteurs premiers et quelques applications. Et finalement, on va voir une série d'exercices. Maintenant, on va commencer notre première partie. Les nombres pairs et impairs, les opérations sur les nombres pairs et impairs. Donc, euh, voici notre première définition. Tout nombre antinaturel multiple de 2 est appelé nombre pair. Les nombres pairs sont les nombres qui s'écrivent sous la forme de k, c'est-à-dire 2 fois k. Ou k est un entier naturel. Les nombres impairs sont les nombres qui s'écrivent sous la forme de K plus 1. Ou K est un entier naturel ou sous la forme de K' moins 1 ou K' un nombre entier naturel non nul. Voici quelques exemples. On a 2020 est un nombre pair. Pourquoi Parce que 2020 est divisible par 2. On peut dire aussi parce que 2020 s'écrit sous la forme suivante. Regardez, 2020, il s'écrit sous la forme de K. Deux fois combien s Fois 1010. 1010. Donc c'est bien un nombre pair. Par contre, 2021 est un nombre impair. Car 2021, il s'écrit sous la forme de K plus 1. Regardez, 2 fois K plus 1. Hein? Soit N un nombre entier, naturel, non nul. On pose E égale 4N moins 3 et F est égal à 2N plus 6. Donc, vous allez euh, étudier, on dit étudier la parité. Est-ce que c'est pair ou impair? Donc, on va voir E et F. Donc vous pouvez euh, faire cette... ou bien de traiter cette question. Et on, on corrigera après. Commençons par E. On a E égale. 4n moins 3. égal. Donc... Regardez ce que je vais faire. Donc, on a 4n moins 2 moins 1. Égal à 2 facteurs de 2n moins 1 moins 1. Donc, 2n moins 1. Je vais remplacer 2n moins 1 par un certain cas. Alors, on aura 2k moins 1. Donc, on peut dire que E. C'est un nombre qui est comment Qui est impair. Pour ce qui concerne F, on a F est égal à 2n plus 6. Donc il est clair qu'on peut euh, factoriser par 2. Regardez, je peux écrire tout simplement n plus 3. Donc deux fois. Celui-là, c'est un entier. Donc je peux écrire K' par exemple. 2 fois k'. Donc f, c'est bien un nombre paire. Donc tout simplement, si on arrive à écrire un nombre sous la forme 2 fois un entier, k, alors c'est paire. Si on arrive à écrire un nombre sous la forme 2k plus 1, ou bien moins 1, 2k plus 1, ou bien 2k moins 1, alors on peut dire que c'est un nombre impair. On passe au suivant. Voici une ou bien quelques applications, soit n un en entier naturel. Montrez que n plus 1 au carré moins n au carré est un nombre impair. Donc, j'espère que vous allez faire un effort et vous pouvez continuer de voir la solution. Maintenant, je vais corriger. n plus 1 au carré. Moins n au carré. Égal. Donc, euh, on va essayer d'écrire. Euh, ici, c'est quoi est un nombre impair. Donc, c'est -ce quoi ce, Soit n entre. Montrez que. Donc, la question, c'est clair ici. montrer que c'est un nombre impair. C'est-à-dire, on va essayer d'écrire ce nombre-là sous la forme 2 fois k plus 1 ou bien 2 fois k moins 1. Donc n'oubliez pas ici qu'on a une identité remarquable. Je peux écrire n plus 1 moins n facteur de n plus 1 plus n. Égale à quoi Donc n plus 1 moins n, ça va donner. Donc je peux écrire n comme ça. C'est quoi ça C'est n plus 1 plus n. Égal, donc je simplifie par n et moins n parce que ce sont deux nombres opposés. Donc 1 fois n plus 1, ça va donner 2n plus 1. Ici, ça va donner 1. Ici, 2n plus 1. Donc c'est un nombre impair. Est-il possible d'avoir un entier naturel x tel que, regardez, x plus 1 au carré moins x au carré est égal à 2021. Donc, ça, vous allez constater que cette expression-là, il ressemble à celle-là. Donc, pour avoir ici 2021, qu'est-ce qu'on va faire Donc, puisque ici, on a vu que cette expression-là, 1, hein, pour tout n, c'est un nombre impair. Donc, il suffit de chercher. Donc, d'ailleurs, cette expression-là, il nous a donné 2n plus 1. Il suffit de chercher un certain n pour avoir quoi 2021. Donc, donc il faut chercher le n pour avoir. Donc on va résoudre cette équation 2n plus 1 égale à 2021. Donc euh, vous allez constater que euh, le n, le n c'est quoi Donc regardez 2 fois 1010 plus 1. Donc le n qu'on cherche c'est... 1010. Donc, notre nombre x, donc le nombre x qu'on cherche, c'est quoi Parce que tout à l'heure, n'oubliez pas que cette expression-là, ce n'est que 2x. Hein? 2x plus 1, d'après la première question. Donc, 2x plus 1, 2021. Regardez, c'est de, de, de ça d'où vient l'idée. Hein? C'est d'ici d'où vient, vient l'idée. Donc, on peut x et 1010. Donc on peut trouver le x. X c'est 1010. X c'est le nombre 1010. Tout simplement. On passe au suivant. Donc euh, maintenant, qu'est-ce qu'on a On a euh, quelques remarques à retenir. Les nombres antinaturels pères sont les nombres dont les chiffres des unités, ça vous l'avez vu en primaire, on l'a vu aussi en, au collège. Donc euh, les unités, donc Arkham 0, 2, 4, 6 et 8. Donc le chiffre d'unité doit être 0. Par exemple si on a euh, 72, on a le chiffre d'unité C2, donc c'est pair. on peut dire 500. 34 par exemple, il est pair parce que le chiffre d'unité c'est 4. Euh, donc 116 c'est un nombre pair parce que le chiffre d'unité c'est 6, etc. On peut même dire 574 euh, par exemple, ou bien 78. C'est un nombre pair parce que 8 c'est le chiffre d'unité. 8 est le chiffre d'unité. Ou bien le chiffre d'unité, c'est un nombre qui est, ou bien c'est un chiffre qui est pair. Les nombres antinaturels impairs sont les nombres dans les chiffres des unités. Est. Donc si on a dans les chiffres d'unité, au chiffre d'unité 1, 3, 5, 7 ou 9, alors on peut dire qu'on a est un nombre impair. On peut dire par exemple 241, par exemple. Hmm? le chiffre d'unité c'est 1 il est impair donc 7, euh, 763 le chiffre d'unité donc toujours on regarde le chiffre d'unité si l'un de ces chiffres c'est impair si l'un de ces chiffres c'est ici pair Étudier la parité d'un nombre entier naturel. Lorsqu'on vous demande d'étudier la parité d'un nombre antinaturel, naturel, c'est savoir et préciser si ce nombre est pair ou impair, tout simplement. Maintenant, on passe aux propriétés sur les nombres pairs et impairs. Euh, je peux traiter uniquement, par exemple, la première question. Euh, et les autres, vous pouvez les faire. Ouais, et la dernière. Donc, je vais traiter la première et la dernière. Donc, radin ou Donc, regardez. A et B sont paires. Alors, A plus B, A moins B sont paires. Donc, si A et B sont paires, alors on aura. Ce sont des propriétés à retenir parce qu'on va les utiliser dans, en pratique, dans les exercices. Donc si on a, a et b sont deux nombres pairs, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que a est il s'écrit sous la forme de k. C'est ça ce que c'est que pair. b est, est pair aussi. b est égal à 2k'. Faites attention, parce que a et b sont deux nombres qui peuvent être différents. Donc k et au, k' aussi doivent être différents. Leur somme, regardez, a plus b. On va montrer que a plus b est pair aussi. a plus b est égal à quoi Égal à 2k. Plus 2K'. Et si je factorise par 2, j'aurai 2K plus K'. Et K plus K', c'est un entier. Donc je peux écrire tout simplement 2 fois K. Et cette forme-là, c'est la forme d'un euh, euh, entier euh, qui est pair. La même chose ici. La différence que ici on a plus, et ici on aura moins. Donc ici on aura moins. Moins, moins. Alors on aura k moins k prime. Hein, C'est un entier aussi. Hein. Bien sûr, lorsque a est supérieur à b, on aura k est supérieur à k prime. Donc on aura k un entier. Donc on aura aussi la même chose. C'est un nombre pair. La même chose pour ce qui concerne si on a deux nombres impairs, leur somme va être un nombre pair. C'est-à-dire il doit s'écrire sous la forme deux fois un entier. Donc vous pouvez le faire, hein. et a moins b aussi c'est pair, c'est la, la même chose. Si l'un des deux nombres a ou b est pair et l'autre impair, donc s'ils ont différentes parités, c'est-à-dire l'un est pair et l'autre impair, leur somme et leur différence est impair. Et si l'un des deux nombres a ou b est pair, alors leur produit est pair, c'est très important, quelle que soit la parité de l'autre. Donc si l'un est pair alors un, un nombre pair fois un nombre quelconque soit pair soit impair soit ça va donner toujours un nombre pair. Donc euh, pour ce qui concerne le dernier, la dernière, euh, je vais répondre comme je vous l'ai dit, la, la, la cinquième. Si on a deux nombres impairs donc on aura deux cas par exemple plus un a c'est un nombre impair p aussi il s'écrit 2K' plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire Le produit. Bien sûr, il faut bien maîtriser hein, les règles de calcul, hein, le développement, factorisation, etc. Donc, plus 1. Donc, si on, on développe, qu'est-ce qu'on aura On aura 4K' plus 2K plus... 2K' plus 1. Vous allez constater que ici, toute cette expression-là, on va factoriser par 2. On aura 2 fois 2K' K plus K plus K' plus 1. Et ce nombre-là, cette expression-là, c'est un entier, c'est bien un entier. Donc je vais écrire 2 fois K plus 1. Alors, c'est bien. Euh, la forme d'un nombre qui est impair. Tout simplement. On passe au suivant. Ici, on a des exemples. Regardez. Soit n, un nombre entier naturel non nul, on pose a égal à n facteur de n plus 1 plus 4n au carré moins 1 plus 1. Donc ici, euh, on va traiter, ou bien on va montrer que c'est un nombre impair. Regardez. On a n fois n plus 1 et le produit de deux entiers consécutifs. Consécutifs, hein, et bien, n n plus 1. Donc si n est pair, alors n plus 1 doit être impair. Donc, donc, forcément, hein, vous allez comprendre. Et si n est impair, n plus 1 doit être pair. Donc forcément, l'un des ces deux entiers doit être pair. Qu'est-ce qu'on a vu dans la, la propriété de tout à l'heure Regardez. Si l'un est pair, regardez, si l'un des deux nombres A ou B est pair, alors leur produit est pair. Donc il faut retenir cette propriété-là. Donc n fois n plus 1. Si vous avez deux entiers qui sont euh, consécutifs, leur produit est toujours pair, suivant la propriété qu'on qu vient de voir. Donc ce sont deux entiers consécutifs dont l'un est pair. Donc, leur produit est pair. Il faut retenir, c'est ça, c'est très important. On l'utilise souvent dans les exercices, comme on, on verra. Comme 4n au carré moins 1 plus 1. Regardez ici, parce que je peux écrire 4n au carré moins 1. Regardez, 4, il est paire. Fois ce nombre-là, hein, il est pair, Donc, paire plus 1, ça va donner un Celui-là, c'est il est un Donc, on aura un nombre qui est paire et celui-là... Celui-là, il est impair. Hmm? Toute cette expression-là, il est impair. Donc, on a un nombre pair plus impair. Et d'après la propriété de tout à l'heure, regardez, si l'un est pair et l'autre impair, alors A plus B est, est impair. Donc, s'ils ont différentes parités, donc l'un est pair et l'autre impair, leur somme et leur différence est impair. Donc euh, c'est ça comment on, on utilise ces, ces, ces propriétés-là euh, en pratique. Donc paire plus impair, ça va donner un nombre impair. D'où A est un nombre impair. Ici on a soit A et B deux entiers naturels. Montrez que si A fois B est impair, alors A et B sont impairs. Donc ici on a le, le produit est impair. Donc forcément, ces deux nombres euh, doivent être impairs. Par, car sinon, s'ils ne sont pas impairs, qu'est-ce qu'on doit qu avoir qu On doit avoir, avoir l'un des deux est pair. Donc c'est ça la réponse. Si on a A et B doivent être impairs, car sinon, on aura l'un au moins deux. A et, a et B est pair. Et lorsqu'on a l'un de ces deux nombres, A et B est pair, alors le, leur produit doit donner un nombre pair. On, on ne va pas avoir. Un nombre qui est impair. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon L'ensemble N et Notions d'arithmétique, on va voir les multiples d'un nombre antinaturel et les opérations sur les multiples. Et si vous n'êtes pas encore abonné, Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt